Pour la mucoviscidose, le don d'organe, c'est près de 1000 patients porteurs d'un greffon qui a permis de sauver leur vie. Malgré les thérapeutiques innovantes de ces derniers mois, dernières années, le sujet du don d'organes risque d'actualité pour ceux qui ne peuvent en bénéficier. Donc c'est pour ça que nous devons vraiment nous mobiliser pour faire du don d'organes un sujet prioritaire. Alors, la diffusion de l'information sur le don d'organes est essentielle. Mais au jour d'aujourd'hui, elle ne suffit pas. L'enjeu est collectif. Le travail qui a été mené en 2021 avec le collectif Greffe Plus, qui est constitué d'associations dont Vaincre la mucoviscidose, fondations, fédérations, continue à sensibiliser avec l'agence de biomédecine, mais aussi l'Académie de médecine avec qui a été rédigé les premières assises du don d'organes, a permis à la fois de mettre en place des actions, de sensibiliser et de diffuser l'information en vue de lever les freins à ce qu'il y ait plus de prélèvements pour plus de greffes. Ce ruban vert, il symbolise l'union entre toutes les associations au travers de Greffe Plus et associé à l'agence de biomédecine. Un symbole simple, reconnaissable, qui permet de susciter le débat entre nous, entre nos familles, nos amis. On est tous donneurs potentiellement selon la loi, mais c'est important de le confirmer avec ses proches pour ainsi faire bénéficier et augmenter le nombre de dons d'organes.